canal, ouais. Et allez. Un toucan. Et là, il a une chanson qui lui trotte dans la tête. Qui galope. Heureusement, Hélène peut retrouver cette chanson à la fin de nom à Google sur son téléphone Xiaomi 11T. C'est presque de la magie. Ça, il s'agit. Nous sommes en galaxie. Après, on va parler de maman. N'oubliez pas que Facebook, si les gens s'énervent, ce n'est pas si. La seule personne qui ne doit pas s'énerver à Facebook, hein, c'est Deko Mamougo. Vous comprenez? Deko Mamougo, lui, il est neutre. Et Ngossa, ce que Ngossa a fait, Ngossa a insulté la mère de Deko Mamougo. Ngossa manque d'arguments. Ngossa, c'est une poubelle. C'est une femme qui n'a pas de sans scrupules, vu qu'elle n'aime pas sa mère. C'est une femme d'avoir sa mère. La maman de Ngossa est morte. La maman de Ngossa était une femme de ménage chez cette femme. C'est la cousine, celle-là qui a dit que c'est sa mère, c'est sa cousine. La cousine de la maman de Ngossa, ce n'est pas sa mère. C'était la bonne. Ngossa travaillait étant petite. Elle était petite esclave. Elle travaillait. Pourquoi elle n'est pas allée à l'école? Hein? N'est pas la femme dans les enfants. Les esclaves ne connaissent pas la vie des gens dans les réseaux sociaux pour laisser. Hein? Moi, ce qui me fait mal, c'est que les choses de maman ressortent. Il y a les vidéos, je ne peux pas vous mettre les vidéos là où. Ngossa insulte la maman de Fleur de Lune. Pas comme chacun. Oui. Ici. Parlons. Vous comprenez? Je vais vous montrer les vidéos là où on insulte ma mère. Comment elle buvait dans les bières, pissait sur elle, chier sur elle dans les bières. Dans les bars. Ma mère, moi, pour rien. C'est là aussi, moi aussi, j'ai dit que quoi? Moi aussi, j'ai insulté, dénigré, propre. C'est ça Facebook. Donc, avant de dire que ma mère, on a insulté ma mère. Il faut regarder les mères des gens que vous avez insultés. Parce qu'à Facebook, tout le monde a raison. Tout le monde a commencé. C'est toujours toi qui a commencé. Alors que c'est vous qui commencez. Ma mère était dénigrée, insultée. Comment on m'a insulté? Semblement était insulté. Semblement était insulté ici à Facebook. Je ne connais pas ma mère. La bouche qui sort. Vous priez quoi? La seule personne qui doit se plaindre ici à Facebook et qu'on doit défendre, c'est Deko Mamougo. C'est tout. Le reste là, on ne connaît pas. Donc arrêtez. On a pris le débat. On a fumé la drogue. Ne venez pas vous exciter les réseaux sociaux. Ngossa s'en fout. Pourquoi Ngossa, sa maman n'est pas les réseaux sociaux. Ce n'est pas sa mère. La femme là, ce n'est pas la mère de Ngossa. Oui. Mais ça n'a pas été à l'école, pourquoi? La femme là. Avec tout ce que Ngossa souffre ici, pourquoi? Vous ne vous en posez pas ces questions là. Hein? Vous croyez que moi, je vais laisser une de mes filles en route? Une de mes filles vivre dans la misère là. Alors que moi, je vis avec un homme dans le château, partout. Vous ne posez pas ces questions? Ce n'est pas sa mère en fait. C'est pour ça que vous n'avez pas connu sa mère. C'est pour ça qu'elle peut se permettre d'insulter la mère de Deko Mamougo. C'est tout. Parce que les gens, quand vous insultez ma mère pissait dans les bails, chiait sur place. Hein? Mon père n'est pas mon père, tout est sorti sur Facebook. Alors fermez vos gueules. Donc, on est maintenant, on parle de monsieur Deko Mamougo et sa mère. Comme vous pute. Ne doit pas l'insulter, c'est tout. Arrêtons l'hypocrisie. Nous tous, on a les photos de la maman. Moi, je montre ma photo de ma mère. Voici ma mère ici. Ma mère. Voilà la photo de ma mère ici. Attends. Je vous montre celle qu'on a insultée. Quelle tu qu'elle boit dans les bars. Donc, il faut faire attention. Là, on est là aujourd'hui.
Oui, pas à cause. Voilà la photo de ma mère ici. Hein? Voici ma mère ici. Ma Emilienne. Voici ma mère. Quand elle est insultée sur les réseaux sociaux. Voici ma mère. Elle me ressemble, non? C'est ma mère, oui. Voici ma mère ici. Pas vos maman vous ressemble. Ma mère aussi me ressemble. Hein? Voilà ça. Que vous l'avez insultée. Une jeune femme de mariage. Vous avez insulté qu'elle pisse, elle boit, elle chie. Elle est barre. À ça, Mélima. Elle veut vos gueules. Vous sortez des insultes dans vos gueules. Maman, j'ai insulté ma mère. J'ai détruit que ta mère. On va arriver là. Voilà, c'est ma mère qu'on a insultée ici. Voilà, voici ma mère. Photocopie de la veuve joyeuse. On est clair là. Donc maintenant là, on doit. Ngossa n'a pas de mère. Ce n'est pas sa mère. Non, c'est tout que Ngossa peut se permettre d'insulter. Parce que pour elle, Ngossa, tous les mamans de la. Tous les mamans de la terre font la prostitution. Sont des prostituées. Voilà. Parce que pour Ngossa, si une maman n'est pas prostituée, ce n'est pas une maman. Parce que c'est son éducation. Oui. Et les TK se vont dire quoi? Vous serez content que vous êtes quand vous insultez vos parents, quand vous insultez vos mamans, vous là, mais comme vous êtes des pulvilles de sales femmes, les sales enfermées des réseaux sociaux. Mais oui, voilà pour ça qu'elle est devenue l'ombre d'elle-même. L'ombre d'elle-même. La chair va sauter pour me casser la chicotte. Elle est au salon. Comme elle soit dans le voyage là, elle se repose au salon. La meilleure cliente du Nganda. Parce que ce n'est pas facile. Hein? Quand tu fais comme ça, on te pose comme ça. Vous comprenez? Oh, Sambelima, je ne connais pas mon père. Ma mère m'a fait ceci. Maman, il faut qu'on sorte. Vous savez, moi je pense qu'il faut qu'on. Il faut que les clashs recommencent à faire pour que les vrais clashs recommencent. Mais moi je suis prête. I am the prête. Et que je suis prête. On a insulté ma mère. Voici ma mère ici qu'on a insulté. Ma mère ici. Pour rien. Comme elle pisse, elle chie. C'est une bordel. Vous connaissez la bouche qui est dans les réseaux sociaux. Donc quand je suis ta part aussi, hein, il faut que tu aies accepté. Comme tu plais ta mère, je plais ma mère. Moi, je plais ma part de mère. Parce que ma mère, Madame Boko, Emilienne, voici ma mère. On est d'accord là? Non, ne venez pas. Quand vous avez appris la drogue, les piqûres et tout, ne venez pas par là. Le problème, c'est que, dès comment vous c'est le problème. Okay, dès comment vous avez insulté la demande des professeurs. Et compétition avec quand on insultait sa mère. Regarde-moi, ce machin tout de compétition. Vraiment, j'ai pitié de toi. On t'appelle que pitiation pour on n'a pas que toi alors. Hein. Bilolo mbap de mbap. Rater, rater. Mais tu as fait ton gagnant, ton gagnant marche plus. Mon gagnant marche. Mon gagnant marche très bien. Hein. Je me débrouille comme je peux. Tu attends. Regarde-moi celle-là. Tu vis à Rouen, dans la Normandie, dans la basse Normandie. Avec tous les blancs qui sont là-bas. Dans les petits villages là. Tu ne trouves rien. Je dis, bon, ça, toi et moi, c'est. Je vais te gifler comme bombe. Mais je ne vais pas te gifler parce que tu. Vraiment, j'ai pitié de toi. On a un peu que pitié à son fond. Oui. Une personne qui a un ventre mien, la maman tu n'as pas, le papa tu n'as pas, l'enfant tu n'as pas, tu n'as rien dans ta vie. Pourquoi tu insultes de comment la maman de comment papa à quoi? Ta maman c'est une pute, c'est une bordel, c'est une prostituée. Elle a sucé combien de blancs pour qu'on l'accepte? Elle a sucé tous ses amis de son pour qu'on l'accepte en mariage. Toi-même tu l'as dit.
Pourquoi ce n'est pas ta mère? Si c'était vraiment ta mère, la chose là que tu dis que c'est ta mère là, la seule petite là que tu dis que c'est ta mère là, hein? Compresseur. Elle a été mettre une mal à l'école. A, B, C. Hein? Elle porte un gazon comme. Il y a une manière. Tu es une esclave. Quand tu as un enfant qui a commencé à travailler étant petit. Tu as commencé à voir étant petit, voir étant petite. Donc tu ne connais même pas. Comme j'ai dit, toutes les femmes qui te soutiennent sont les femmes qui sont comme toi. Les non-sens. Les femmes qui cherchent la vie, qui cherchent les vues, qui cherchent les noms dans les réseaux sociaux. Malheureusement, c'est déjà trop tard. Trop tard. Mais le temps est passé. Vous m'entendez? Tu te permets d'insulter. Je dis que, hein? Tu peux essayer de commander par rapport à quoi? Tu es qui? Hein? Maléba, bébé, tu es qui? Regarde-toi. Ta vie passe par. Hein? Tu sais, aïe, moi. Hein? Nanti, un an. Hein? Tu sais, moi. Eh, bébé, tu Maléba, qui te connaît? Tout ce que tu as, ce sont des filles là qui sont avec toi, là, qui font les corossas, qui appellent. Eh, hey, voici le numéro, appelez. On va appeler jusqu'à quand? Attends, bon ici, hein. Bah, entre. Moi, c'est mon job. Coucou les Warriors. Ça sent bon, hein. Ça, c'est la chèvre des grandes réalisations. La chèvre de ça, le goût de ça. Ah oui, hein. La chèvre de ça. Des grandes réalisations. Allez voter pour la Warriors. Hein. Non, on va voter pour moi. Quand vous payez les billets, vous allons voter pour la Warriors. Il faut payer les billets en disant que c'est pour la même joyeuse. Hein. Parce que j'ai 10% dedans. Allez voter pour la Warriors, vous allez payer les billets pour la soirée. Pour la soirée, quand vous payez les billets, vous faites pour la Warriors, s'il vous plaît. La soirée des grandes réalisations. Maman, habitez. On va aller faire ça là-bas aux Champs-Élysées. Oh. Avec les soirées, robes de soirée, talons aiguilles. Les robes de ça. C'est où on va aller voir qui sait marcher avec les talons. Voilà. On va aller voir qui sait mettre les 25 cm. Ah oui. Parce que quand tu prends le couloir là, tu entres là, pap, 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 pap. Ouais. Non, parle d'abord avec tes gens. Parle avec tes gens. Mais j'ai presque fini. Parle avec tes gens. Je dois. Mais oui, je vous dis, mais voilà. Merci. Là, j'ai mis. Le goût arrive au salon, non? Le goût arrive ici. Voilà, tu vas bien manger. La chèvre sautait. Avec le bobolo. Avec la peau du Cameroun, ouah. Votre doigteuse internationale. Laissez pour le nom des doigteuses là. C'est toi avec vous. Anya, vous dites bobolo. Oui, mais moi je ne dis pas maintenant, moi je mange, je ne peux pas quand même. Mais oui, c'est pas bien. Oui, pour que ça soit. Bon, ça a été dit que, hein. Je vais commencer à te répondre en 2022, tu as dit ça. Attends. Tu es aigri parce que tu n'as jamais vu le visage de ta mère. Ta mère t'a abandonné quand tu étais petite. Parce que tu étais enfantée par ton propre oncle. Tu entends, non? Donc tu es l'enfant de l'inceste. C'est pour ça qu'on t'a abandonné. C'est pour ça que tu es aigri. Tu entends, non? Tu es aigri. Je ne sais pas pourquoi tu l'expliques. Tu dois même mourir, pour ça. Tu vis même pourquoi? Pourquoi tu n'apportes rien à l'humanité? Tu apportes quoi à l'humanité, pour ça? Toi, dis-moi. Enfant, tu n'as pas. Marie, tu voles. Hein?
Tu as quoi? Il faut dire, tu dois mourir, tu dois die. Hein? C'est-à-dire que tu es un phénomène inexpliqué. C'est tout. Mais c'est vrai. Tu es venu faire quoi sur terre? Même les dents, tu n'as pas. La dentition, il a fallu que tu vas baiser avec le quoi, pour avoir les dents. Tu dois d'ailleurs. Regarde-toi. Tout le monde est en train de progresser. Toi, tu es là. Ma copine et moi. Voilà ta copine qui est au pays là-bas. Attends, j'ai dit bonjour là-bas comme ma copine bonjour. C'est faux, faux tout là-bas pour montrer aussi que c'est quelqu'un là-bas. Vous êtes les patates des mêmes sillons. Et les patates des mêmes sillons. Et Gongol. Regarde-moi cette la chose là. Machin, tu te vois ça. Toi, je te pique comme ça. Je te dis que vous avez un gros ça. Deuxième round. Clé 14, Moussa, je finis avec toi. Je vais te montrer que je suis une fille boulot. Tu attends, non? Que je ne suis pas une déracinée. Quand moi je passe au Cameroun, je m'en vais à Sangoli, je suis chez moi. Quand je pars à Garoua, je suis chez moi à Garoua. Quand toi tu pars, tu t'arrêtes à Yaoundé. Ah, dans les petits machins. Je te dis que, Moussa, viens. Ne va pas prendre les Nancy Ling là. Nancy Ling, c'est ma soeur, hein? Tout le monde vient avec toi, c'est ma soeur. Ils sont avec toi parce qu'ils ont. What? Tu as monétisé ta page, Moussa. Sa page. Poste plus de merde, Moussa, de mes fesses. Hein? Le gros est certain que tu es ici, Moussa. C'est gros comme ça. Tu veux. Moussa, je peux m'en parler. C'est pourquoi? Me poyer. Moussa. Je te donne rendez-vous. Je ne donne pas rendez-vous à la fête. Je donne rendez-vous au Cameroun. Parce que. Apparemment, tout le monde n'est pas au Cameroun. Mais moi, je vais arriver un peu tard au Cameroun. Viens, on se voit là-bas. Je veux t'allumer. Regarde-moi, une petite pauvre. Depuis que tu as ton terrain, tu construis où? Tu peux parler, toi? Voilà l'autre qui se parle là-bas. Hein? Voilà la maison là-bas. Elle peut entrer les maisons de ses copines pour montrer que c'est à elle. Les camions, ça, les conteneurs, ça. Vraiment, vous m'en faites pitié, on n'a plus que pitié à ça. Vous voyez que moi, je peux avoir tout ce qu'elle montre là, au Cameroun, et venir encore, et rester dans le fond ici, tirer la valise pour aller chez les clients. Franchement. Vous dites que je suis vieille. Regarde celle qui est au Cameroun, les paves qui est au Cameroun là. Regarde la vieillesse. Les mamies mouma de 50 ans, 100 ans. Toi là-bas, tu mets que les traverses sur ta tête, les traverses. On est où là? On fait encore la carte là. Et ça va se dire qu'elle vit en France? Je te dis que mon gros habit, Robin, il faut balata. Ouais, non. Imbécile. Ouais. Il y a même. Ah, les gens qui me font tellement. On vous appelle un groupe de pitiation. Déplication pour vous, hein? Hey, Thierry, oh. Thierry est parti. Tu crois que tu veux prendre un boulot? Thierry est reparti là où il était avant. Il fallait la voir. Alors, je vous explique l'histoire. Hein. Quand Thierry, je veux dire que vous savez que quand Thierry était. Quand elle venait connaître, alors Thierry, elle était tellement amoureuse que elle me dit que les petits collants, il fallait avoir la cuisine. Ma pépé, tu t'as dit qu'on prend. J'étais d'abord dit que tu n'arrives pas à s'enlever. Ah non. Vous êtes deux, quand comme et toi, Pac. Arrivez à s'enlever maintenant. Maintenant, t'as envie de parler. On a dit les gens de mauvaise vie à Samolima. Les bordels. Ils ont raté leur vie à l'Europe. Il y a une peu. Tu vois, Thierry partait où avec. Hey! Thierry est parti, oh. Thierry. Ouais, faut qu'on danse un peu. Voilà. Vraiment une bêtise pareille. Tu es sur la main de décor. La main de décor, elle ressemble à la main de ta putain de main qui fait la prostitution chez un vieux blanc à quel âge?
qui suce les pneus de tout, qui fait le camion. Regarde-moi, je vous t'aime. Regarde-moi celle-là. Voici Charlie. La dernière des dernières, la rate. Le nouveau appartement qu'il attendait tant. Et avec lui, le manuel d'instruction en japonais et seulement en japonais. Pas de panique, Charlie. Quoi? Ta copine peut construire la maison? Ah, bien sûr. Coute drogué, comme t'as ça, chien de main, dégage. Et là. Et que ta copine. Ce n'est pas sa maison. Oh. Mais elle a mis le temps, c'est pour. C'est pour venir mettre contre son délire. Depuis des années qu'elle a vu dedans là. À laisser ça. Au Cameroun, on peut te faire ça en une seule journée. Tu as jamais vu le bailleur. Quand tu as un immeuble au Cameroun, excusez-moi. I am the propriétaire. C'est les avocats. Tu ne peux pas aller dire que tu vas chercher les locataires qui n'ont pas payé le loyer. Ce n'est pas toi qui s'en charge. C'est un avocat qui s'en charge. On est clair là. Elle n'a rien. Je vous dis que ce n'est rien. C'est un truc qu'ils ont refait pour dire que Fleur de Lille, parce que la honte peut la tuer. Fleur de Lille n'a rien. Vous comprenez, non? Vous entendez? Mais pourquoi? J'ai dit qu'elle n'a pas d'enfant. Elle n'a rien. Tout ce que vous voyez là, c'est un leurre. Même là où elle est, c'est là où son frère qui est en prison. Même l'immeuble là, même finalement, c'est l'immeuble de son frère qui est en prison. Où c'est toujours les mêmes immeubles. Où on écrit que Fleur de Lille. Elle-même, elle est écrite. Au Cameroun, mais c'est un leurre. On écrit ton nom le même jour. Depuis des années, il y a eu Fleur de Lille là-bas. Elle n'a rien. Vous croyez que Fleur de Lille est tellement heureuse? Mais finalement, vous me faites rigoler, vous. Hein? Vous me faites rigoler. Avoir tout ça au Cameroun et venir encore ici errer dans les gares pour aller faire chercher la chance sur les bites, baiser avec les chiens et tout. On est où là? Elle est prête à tout pour montrer qu'elle est quelqu'un. Elle n'est rien au Cameroun. Tout le monde sait qu'elle n'est rien. Elle ne sait pas comment payer un bout de terrain. Rien. Qu'elle vous montre comment elle a. Je n'ai pas besoin de. On n'est pas là pour elle. Elle dit qu'elle n'est rien. Ngosa, Fleur de Lys, les deux ennemis. Ce sont mes deux ennemis. Hein? Elle dit que. Hein? Ngosa n'enfante pas parce que Ngosa même a voulu ne pas enfanter. Ngosa, elle me l'a avorté. Ce n'est pas sa maison. Elle a payé ça quand? Quand? De lui spécial, quand? Fleur de Lys n'a rien. C'est où? Il y a les versions ici. Hein? Elle peut avoir quoi? C'est une pauvre. Elle n'a rien. Même le conteneur là, elle même l'a dit. Quand le conteneur c'est sa copine, elle n'a rien. Tu as tout cela. Madame. Tu as tout cela. Et puis tu tiens quoi ici? Tu fais la prostitution. On est où là? Elle n'a. Devant vous, elle a. Hein? Devant moi, elle n'a rien. C'est moi qui vous dis. Je mets la musique, pardon. Je fais mes trucs. En japonais. Pas de panique, Charlie. Ah, ok. Charlie. Ouais. Lorraine Ateba, je suis femme malheureuse. Hein? C'est vous qui êtes malheureuse parce que vous gobez. Celui n'a rien. Elle vous ment. Elle n'a rien. Dégagez. Je suis malheureuse, oui. Très malheureuse même. Oui, je vous attends ici. Je vous bloque pas. Tu connais son immeuble. Elle n'a rien. Dégagez donc. Je dis qu'elle n'a rien. Mamie Japab, elle est mourue au lac. Fleur n'a rien. C'est une pauvre chienne. Elle n'a rien. J'ai dit. Elle n'a rien. Et tant que je disais qu'elle n'a rien, c'est qu'elle n'a rien. Non, mes yeux sont comment? Ils sont la cuisine, non? C'est pas les moscadons, non? Je suis en train de préparer. Maman. Elle dit que quand elle n'a rien, qu'elle est pauvre, elle n'a rien. Et je vous ai dit qu'elle n'a rien. Eh oui. C'est maintenant que le temps, depuis qu'elle est au Cameroun, comme j'ai dit qu'elle n'a ni d'enfant, elle n'a pas de terrain, elle n'a rien. C'est maintenant qu'elle va montrer que, machin, fait ceci. Elle salue aussi le gardien pour la première fois. Ne, pas devant moi. Eh oui, je suis pauvre et haineuse, oui. Fleur de Lys n'est rien. Mouf. Oui, partez. Fleur de Lys n'est rien. Elle n'est pas sa maison. Allez vous faire enculer, dis donc. Allez-y. C'est sa maison, mais devant moi, ce n'est pas sa maison.
Oh, elle est mourir au lac. Elle manque, ce n'est pas elle. Je vais vous montrer que je suis. Elle peut payer, elle n'a pas eu que l'argent. Catholique, c'est quoi? C'est un exemple à suivre la puterie. C'est une prostituée, une vieille prostituée, une vieille pute. Quel exemple à suivre? Quel exemple qu'elle peut suivre? On peut suivre quoi sur elle? Maman, depuis que j'ai dit qu'elle n'a pas d'enfant, elle n'a rien. Elle fait tout pour se justifier. Tu vas te justifier jusqu'à ton anus. Tu vas donner les gros ça. Pour tout ce que tu as, ce n'est pas à toi. Ce n'est pas toi, Florent, tu n'es rien, tu es pauvre. Une prostituée, tu es un temps d'Aïdjo. Dis donc, regarde-toi comment tu as vieilli. Jusqu'à, elle ne sait pas, elle mange, pour qu'on voit. Tu n'as rien, tu n'es rien. Tout le monde a vu qui tu es. Sister, tu n'es rien. Qui t'a salué au Cameroun? Regarde-moi les mariages que tu peux au Cameroun, les mariages des sous-quartiers. Regarde-toi, tu as vieilli. Qui te connaît au pays? Personne. Les petites soirées que tu fais, les soirées des misérables femmes. Je dis que, hein? Ah, imbécile. Toi, Yom. Je dis que, hein? Toi et moi, c'est Balata. Je dis bien que Balata, Fleur de Lune n'a rien, ce n'est pas son immeuble, hein? Elle, le temps que le Cameroun a, elle a demandé qu'on mette encore bien son nom. Mais c'est quoi? On met ça sur le même jour, non? On met que nom sur le même jour. Depuis que la propriété n'a pas dérangé on appelle comment? On appelle les locataires un dimanche. Tu n'as pas payé les loyers, on va prendre. Maman, on est même comme ça. C'est chez l'avocat qu'on baisse le loyer. Hein. Tu ne traites pas les locataires, s'il te plaît. D'accord? Parce que ce n'est pas à toi. C'est la femme qui filme là. C'est ta lesbienne avec qui tu es partie là. C'est elle qui a tout. Tu entends? C'est comme ça. De toute façon, quand tu demandes que c'est pour toi que je suis jalouse ou pas. Moi, devant moi, tu n'es rien et tu n'as rien. Devant moi, quoi? Devant les gens. Et c'est un exemple à suivre. Regarde-moi les maniocs pourris comme vous là. Tu as donné cet exemple à suivre? Une escorte pourrie, gueule. Mazo, Sophie. Hein? Et oui, l'église, c'est ma pète. Pâté. Je l'aime pas. Et je ne le verrai jamais. Je détruis tout, oui. Mieux vous détruire, parce que je ne l'aime pas. Oui. Oui. Moi, je suis l'aigreur, je suis jalouse et aigrie. Oui. Mais, celui-là ne me dépasse pas, parce qu'on n'a jamais payé un mètre carré au Cameroun, le terrain. Quand il monte, quelque chose de papier à son nom, elle n'a jamais rien fait dans sa vie, à part vendre les autres, et lécher, et faire le zoophile. Je ne peux pas la laisser, hein. Hein? Ah non, la fille. Et que toi et moi, c'est une place avec une grosse part. Maman, il faut la voir. C'est là comment tu as mis. Tu parles dans ton propre pays. Il n'y a personne, il n'y a même pas d'autorité qui va te saluer. Il n'y a personne qui te connaît au Cameroun. Et tu dis que tu es camerounaise, toi. Wandayans. Hey. Pardon, un danse. Maman, regarde-moi ça là. Elle a grossi. Il faut la voir devenir maman africaine. Eh bien, dis donc, tu es quelqu'un, toi. Tu n'es rien. Tu es devant moi. Toi, hein,
Pour toi, tu as construit les immeubles, hein, tu as des appartements, mais il faut savoir que devant la nouvelle joyeuse, tu n'es rien. Rien, nix. Zéro macabre. C'est moi qui t'ai dit. Voilà. Bon, on met les piments dedans. Voilà. Toi et moi, c'est une place. Oh, ma fille, oh, moi, je ne t'aime pas. Je te déteste. Je dis que hein, tu attends même qu'on t'arrête dans la gorge comme ça, elle serait bien contente. Tu ne dois même pas exister. Toi et moi, ça. C'est vraiment un sale genre comme ça. Thank you.
C'est lui qui m'a dit ma je dis que, hein, écoutez-moi très bien, les deux stades déchus des réseaux sociaux, elles disent qu'elles sont blogueuses. Hein. Kankam n'a jamais payé un mètre carré de terrain. Oui. Rien. Tu crois que moi je peux avoir tout ce que tu as là, et les immeubles, et les maisons, et je tire les valises ici dans le métro pour aller sur les pénis des chiens? Moi si. Parce que tu mens. Tu fais un leurre à Facebook. Ton exemple à suivre, c'est l'exemple de. Tu sais, les bites. Fais Ngossala, toi, alors, hein. Oh, oui, ah. Je dis que devant moi, Ngossa, ou faire de lunettes, rien devant moi. Oui. Je vous abats dans tous les niveaux. Fais le lit, tu n'as pas d'enfant. Ton ventre est muet. Ngossa, pareil. Vous n'avez jamais payé quoi. Ngossa, au moins. On dit que Ngossa a payé les terrains. Elle a un titre foncier. Mais quand montre-nous ton titre foncier. Toi, tu. Ngossa a même le titre foncier. Mais quand tu n'as pas de titre foncier, tout ce que tu as, ce n'est pas à toi. Tu n'as rien. Tu es la plus misérable femme des réseaux sociaux. Je vous ai dit que moi, mes deux ennemis, c'est Kankam et Ngossa. Vous deux là. Je ne vous lâcherai pas. Vous êtes mes deux ennemis. Et je vais vous combattre. Parce que je ne vous vois pas devant moi. Comment les petits gens comme ça, les petites femmes qui ont. Voilà les mandiens et Keta. Et les mandiens et Keta qui font des scandales, on parle d'eux. Et les mandiens et Keta. Vous vous êtes placé où? Maintenant tout le monde passe, c'est mal tourné. Regarde toi, tu es au Cameroun. Incognito. Une villageoise. Elle est dans son pays comme cette maman qu'elle ne connaît même pas. Il y a même pas des gens qui disent que oh, fleur de l'île. On ne te connaît même pas. Ouais. Dans ton propre pays. Parce que tu es une villageoise. De la basse classe, de la basse cour. Parce que tous les gens qui t'aiment sont les gens du petit monde. Tu ne connais pas les vrais gens. Voilà ton fils qui est le président de la FECAFOOT. C'est ton ami, non? Il pourrait quand même t'inviter, non? Nathalie, quoi, au pays? Je sais pas, tu as combattu Nathalie, quoi? Voilà, bon exemple. Niveau de maintenant, madame Vumba. Elles sont toutes là-bas, tout le monde t'a fait comme ça. Tu es là. Tu t'abats. Tu n'as pas honte? Tu es contente. Parce que Nathalie Baba a raté son vol hier. Tu es contente pour elle. Parce que tu es que ça. Tu es un braque à ta chose. Tu n'es rien. Tu ne vaux rien. Tu ne seras jamais rien. Tu es une poubelle. Regarde-toi. Dans tout ça, les gens, tu n'as même pas un terrain. Il faut avoir, il faut voir. Regardez bien son pauvre, misérable visage. Son visage, elle a un visage de vieille femme là. Il n'y a même aucune fraîcheur dans ton visage. Tu ressembles à quoi? Une vieille mère de 60 ans. Avec la maman, qui t'a même d'abord dit de mettre la perruque là sur la tête? Tu as vu la perruque là? Hein? Une vendeuse de drogue comme toi? Une mamine de bas? Une femme qui prend la cocaïne? Parce qu'elle se chute chaque temps de cocaïne, comme vous la voyez là. Parce qu'elle vend la cocaïne. C'est elle qui se. Dit que sa vie c'est ça. Tu es parti vendre la cocaïne au Cameroun, tu as vu combien? Tu mets la cocaïne dans les spaghettis que tu vends là au Cameroun là? Regarde-toi. Tu as fait les seins sans bénéfice. Le ventre sans bénéfice, les fêtes sans bénéfice. Maman, donc tout ça sans bénéfice. Aucun bénéfice. Vous venez se tourner à Facebook là. Et on a dit que. Nana a fait quoi. Maman, parce que c'est comme ça. Tu es un bracata. Personne ne t'a reconnu. Les fesses sans bénéfice. Ma mémé. Ma mémé. Ma oui, t'as un bénéfice. N'est-ce que aucun bénéfice. Tes fils, tes cinq sont amenés quoi? Hein? Tu as tiré les seins. Aucun bénéfice. Les ventes à placali, aucun bénéfice. Les fesses alors, boum, aucun bénéfice. Et tu vas parler à moi. On est ça. Il n'y a rien. Tu es pour Cameroun, regarde-toi. Avec tous les riches bamiléques qui sont au Cameroun. Aucun bamiléque qui t'a même pris pour comme troisième épouse. Même 50e épouse pour t'épouser. Vous tournez toujours chez les bêtis. Vous tournez toujours chez les bêtis. Les bêtis aiment les femmes classées. Hein?
J'ai gardé mon argent comme ça. Yay! Aucun bénéfice. Tu vois que moi, je veux le faire, mes fortunes. Moi, ma fortune est pour... Ma fortune est pour durer. Quand ils veulent faire ma fortune, comme les Natasha de Monaco, comme ça, comme les fortunes, tu vois que j'aurai les bénéfices. Tu vois que je vais aller me faire charcutier pour ne pas avoir les bénéfices. Tu as tiré tes gros fins, tes signes, tu te sers à quoi? Tu sors avec qui? Où est ton milliardaire? Comme les Emmanuels, rien. Le ventre, tu as tiré un bout. Et quand tu manges, comme tu es tellement misérable, tu manges des torsés pendant tous les jours, le ventre a encore sorti un bout. Les fesses là, où sont? Je veux voir les bénéfices. Quand il fait ma marché, ouas, parce que je veux les bénéfices. Mais vos bénéfices, tu vas aller m'asseoir sur moi pour dire que je suis belle. Pour tourner dans les réseaux sociaux, pour insulter la veuve droguée, la saleté, la sale chose là. Toi, tu veux m'insulter, toi? Qui est plus sale que toi? Entre toi et moi, quand on nous regarde, tu as quelle vie? Moi, oui. Je me suis retrouvé là, je me suis retrouvé. Toi, tu te retrouves où? À Compiègne? À Compiègne? Il faut rester à Paris. Hein? Même quand il habitait ici à Paris, il habitait à Franconville. Vous savez là où la ville de Franconville? Là où il y a les réfugiés. C'est la ville là où on occupait beaucoup trop de réfugiés. C'est là où les réfugiés à Franconville. Tu veux me parler, toi? Tu sors de l'île pour faire la prostitution que tu as finie en Belgique là-bas. Une jeune fille babinéquée. Tu es la plus misérable, la plus pauvre des babinéquées. Même pas en terrain. Et tu me parles, moi. Hein? Ton bénéfice, c'est où? Tu dis que, maman, tu vas mettre. Je dis que toi et moi, c'est balata. Reviens à Paris. Si tu comprends encore la bagarre, je veux t'allumer encore un œil. Bien même. Je suis prête. Regarde-moi, regarde-toi. Tu veux besoin de quoi? Voilà tes soeurs là-bas, voilà les gens. Et Coco Emilia, là-bas. Coco Emilia. Hein? Je veux pas. Elle a dit que la position allait dépasser. Elle venait trouver sa part de Ouvaba. Le futur président d'un pays. Toi, tu as trouvé quoi? Regarde-toi. Tu es la risée du Cameroun. La risée des Bamileke. La dernière des Bamileke. Et tu me parles, moi. Une petite fille pour le savoir. Je dis que quand toi et moi, moi, je suis de tout aussi, non grata. Si on veut qu'on me le titre de compte ici. Elle te regarde, rien. Devant, rien. Derrière, rien. À côté, rien. Je vois que la revue joyeuse. Parce que tu ne me vaux pas. Tu peux m'insulter, toi? Une vendeuse de drogue? Une prostituée? Que veut la pute là-bas, là-bas en Belgique? Elle en tient. Il y a une manière. Et là, moi, c'est là. Mais bimini, la famille, tu es. Regarde-toi. On parle des mères. Regarde ma mère. Avant le Covid, quand je rentrais, regarde ma mère. Quand regarde ma mère, voici ma mère ici. Tu as vu ma mère? Ça, c'est la maman de la veuve joyeuse. Et je vais la voir bientôt. Voilà ta mère qui est là. Tu n'as pas envie de l'insulter. Ça ne sert à rien. Parce que tout le monde voit comment toi-même tu l'as. Comment toi-même tu l'insultes? Comment tu la malmènes? Un jour, elle est en pleine directe. Cette épave se permet de dire oh, que je suis ma faux. Ta maman t'a demandé que tu es ma faux, que là. Devant tout le monde. Qui te donne ma foi? Ah oui. Va secouer ton calambolina. Je veux secouer ma part. Je veux te montrer que. Hein? Toi aussi, toi. On a même dit quoi? On les a. Chacun dans celle-là. Tu peux habiter là où je suis, saleté, machin. Toi, tu es qui? Tu peux habiter où je suis, moi, je vois la tour. Toi, tu vois quoi? Moi, j'arrive à Paris, tu sais, moi, dans le lit. Quand moi, j'arrive à Paris, hein, moi, je prends les taxis directement, ma mère. Je suis à Paris. Je prends les taxis directement, ma mère, chez moi. On est clair là. Mais toi, tu arrives à Paris, il faut que tu fasses encore un long voyage pour aller dans les Baba West. Tu entends? Où sont tes voitures? Les voitures de ça. Je t'emmerde. Je t'emmènerai toujours. Même si tout le monde sait que ce sont tes maisons. Devant moi, tu n'as rien. Tu n'as aucune maison. Tu n'as rien. Tu ne vaux rien devant moi. Et je vais te le prouver chaque temps. Pour te montrer que je t'emmerde. Tu n'es rien. Ta petite bouffonne là qu'on appelle Mosput là. Tu ne sais même pas quoi vous dire. Bon. Pause de publicité.
Oui. Va payer ton loyer à 50 euros. Au moins, c'est bien de payer à 50 euros. Hein? Oui, elle a payé. Comment tu peux payer un loyer à 1000 euros en France et alors que tu as des immeubles au pays? Sale chien. Dégage, dégagez, pardon. Hein? Vraiment des stages hein, comme ça. Bon. Regarde-moi les gens comme ça. Le loyer à 50 euros. Hey, mieux vaut payer le loyer à 50 euros. Hein? Hein? Quand j'ai payé 1000 euros. Alors que maman, on me lappe. Le lapage de ça. On te lappe bien pour venir payer le loyer en France. Alors que vous avez les immeubles au pays. Ouais. Moi, il y a seulement, au Cameroun, par exemple, j'ai seulement les immeubles comme celui-là qu'on a monté. Je viens encore foutre pour ici. Pour tirer les balises, pour sauter les cars, pour bagarrer, avec les coups de poing. Il faut voir les photos des coups de poing de ça. Fais pitié. On a tous le pouvoir de changer l'ordre des choses. Le bon coin, le bon pour tous. C'est pour ce soir. C'est pour ce soir. C'est la première fois que je vous vois. Ne t'approche pas de ma sœur. Venez, j'ai peur. Je vais voyager ma mère comme Flo. Moi, quand je fais... Attends. Cadeau participé. Si tu fais venir ma mère ici, ma mère ne va pas rester à la maison comme ça. Comment descendre à l'immeuble? Ma mère va se promener. Elle va même trouver un vieux blanc avant moi. Pas venir, je ne vais pas venir ma mère parce que, oh, Godou, par pitiation, Fawona. Quand on a attaché sa maman au Cameroun, là, vous étiez là. Sa maman était attachée au Cameroun. C'est pour ça qu'on est venu jusqu'à ta mère est devenue folle. C'est pour ça que je ressens ça. Hein? Quand on a attaché sa maman au Cameroun là-bas. Hein? La honte à l'actu se sortit des réseaux sociaux ici que sa maman de fleurs était attachée au Cameroun. Elle était folle. C'est comme ça qu'on l'a amenée ici. Tu vois que moi je vais amener ma mère pour que ma mère ne vienne pas profiter des bienfaits, de la tour et des Champs-Élysées et tout, pour venir s'asseoir à la maison, pour servir à quoi? Mieux vous la laisser au Cameroun. Mieux vous, comme elle a fait le bon jardin là, à sa mère. Quand elle ramène sa mère là-bas, sa mère reste là-bas au Cameroun là-bas, dans le beau jardin là. Hein? Elle sort le matin, elle voit le jardin. Que de rester, c'est tout. Que de rester ici. Ça lui sert à quoi de rester ici? Tu crois qu'on va amener les mamans en France? Pourquoi on montre qu'on va amener les mamans en France? J'amène ma mère en France pour que je sois avec ma mère. Je m'avais mangé au restaurant avec ma mère. Je veux me promener avec ma mère. Je fais des trucs avec ma mère. Qui signale même, qui prenne même ça? Je m'en fous. Je ne suis plus à ce niveau-là. Prenez mes comptes. Je vous dis que, hein, qui prenne, prenez mes comptes. En dit du moment, le cul de ta mère. Dégage, je te déteste. En dit du moment, je veux que tu meurs. Tu dois dire l'année, c'est sale chienne. Dégage. Maman, si tu me permets d'insulter ici. Hein? Parce que je veux qu'on prenne mon compte ici pour créer un autre. Oui. Hein? Elle m'a mis quoi, Eva? Hein? T'as mis pas comme ça, t'a choqué. Elle m'a mis pas comme ça, m'a choqué qui c'est sa maison. C'est sa maison. C'est quelle maison? Elle m'a mis pas comme ça. C'est pas caché où? Hein? Ouais, ouais. Je suis dirty. I am a dirty woman. Oui. Oui. Moukon, le cul de vos mères. Dégagez-vous. Vous voulez faire quoi ici? Ma fonne rien. Envoie l'argent au Cameroun. Ma fonne rien. Hein? Je dis que ma fonne rien. Je dis que ma fonne rien. Hein? Ma fonne rien. Je vous dis que ma fonne rien. Elle ne sera jamais rien devant moi. Ce n'est pas sa maison. Elle n'a rien là-bas. C'est moi qui vous dis. Ouais. Je dis que elle n'est rien. Ma fonne déchue de carnivore. Hein? Oui. Oui. Partez, pardon, partez. Partez chez vous. Je vous bloque vous tous. Allez. Partez. Maman, je n'ai pas encore la main de fleur par rapport à quoi? J'ai parlé de la main de fleur parce que vous ne pouvez pas d'elle. Sa main ici. Alors, on va parler de sa main que sa maman c'est qui? Elle n'a même pas la main de qui? Dis donc. Quelle rentre avec sa main au Cameroun? Non, pas la main de Flo. Flo, c'est qui? Il y en a ça. Donc, pas la main de tout le monde, pas parler de sa mère parce qu'elle est devenue quoi? Hein?
Allez lui dire que j'ai parlé de sa mère, qu'elle est sur ma mère. Quand elle revient, si on m'appelle ça Dieu, une personne va sauter ici. Elle est de prête. Qu'elle va voir Calamolina. Bande de petites bordelles. Non, c'est déjà bon. C'est tout. Allez vous faire foutre. Voilà ma mère, fleur de lys. Tu as vu ma mère? Ma mère marche. On dit que tu as amené ta mère en Europe. Je reprends. Oui. Hein? Oui. Quand vous venez dire que. Tu as amené sa mère en Europe, toi tu as amené qui? Moi aussi, ma mère va venir, mais ma mère va venir ici, en Europe. Elle va marcher bien, elle aura un beau manteau, elle sera très bien habillée. On est d'accord là? Qu'est-ce que vous a dit? Allez, il dit que j'ai insulté sa mère, ça va faire quoi? Je ne sais pas, c'est l'un de sur les mains des gens. J'ai peur de qui? À l'heure où je suis ici. Hein? Mais j'avoue, vous croyez que j'ai même peur d'un cancam? Je peux avoir peur d'elle, moi je lui perce l'œil. Je n'ai pas peur d'elle, elle va faire quoi à qui? Hein? J'ai commencé avec Ngosa. Vous venez de tourner, pourquoi on parle de votre sale chien de putain, de pétasse là? Que quoi? Ça fait des années qu'elle monte sa maison. Quelle maison? Et vous, montre aussi ta maison, non? Daline Joël Bongo, non? Ta maison est placée par où? Hein? Hein? Ta maison est placée par où? Je finirai les déchets. Vous êtes les déchets. Vous-même, les déchets. Vous êtes là, vous parlez de la pauvre joyeuse. Maman, venez me frapper. Venez. Oui, j'ai fini dans mon canapé, oui. Je ne peux pas l'aimer, je ne l'aime pas. Restez chez vous. Je ne l'aime pas, restez chez vous. Alors, vous ne faites quoi ici? Flo n'est rien. Elle n'est rien. C'est man de bas. Elle fume le débat, elle boit le débat, elle purge le débat. Là, c'est ça le grosse fesse là. Les seins sans bénéfice, le ventre sans bénéfice, le cul sans bénéfice. Vous parlez à qui? Oui. Je suis Highlander, je ne meurs jamais, venez me tuer. Elle m'a installé chez nous comme ça, elle parle à qui? Français, je ne veux pas dire ce que tu dis, alors dégage. Bac. Donc, ah oui, ici on bloque les gens, nous on n'est pas là pour s'amuser. Hein. Mieux vous me regardez. Vous venez m'insulter ici, vous venez dire les mots ici. Oh, Fleur a dit que. En fait, vous aimez seulement quand c'est Fleur qui parle dans les réseaux sociaux. Hein. Mais vous ne me connaissez pas très bien. Hein. I am the prête. Moi, je m'en fous. Moi, j'étais là pour partir avec Ngosa. Mais vous n'aimez pas. Parce que vous adorez vous. Vous adorez quand on parle que de Fleur. Oui, vous êtes c'est vous qui êtes venu avec son nom et moi je l'insulte quand je veux pas que je la méprise. Elle n'est rien, elle ne représente rien dans la société camerounaise. Elle ne vaut rien. C'est un déchet, c'est un torchon, un moribond. Une femme de carnivore, la basse coude, la basse classe. Et vous, là c'est bon. Laissez-moi avec Ngosa, s'il vous plaît. Ngosa encore, c'est parce que j'ai la finale, c'est la déchet là. Écoute, je prends Ngosa. Vous prenez pour qui? Sans blague. Je suis pauvre, oui. Je suis pauvre, elle est riche. Oui. Je fais venir ma maman pour faire quoi? Si ma maman vient faire quoi ça en Europe? On a dit que tous les mamans qui viennent. Hein? Vous croyez que sa maman vient venir ici pour errer dans les. Pour voir que ma mère va venir ici pour que ma mère vienne sauter les métros ici à 5h du matin, 4h du matin. Maman marche, marche. I am the prête. Hein? On est où là? Partez, il faut respecter les gens. Moi, je m'en. Prenez les comptes ici, hein. Vous savez pourquoi je. Parce que moi, je suis plus à Facebook, hein. Oui. Je ne suis plus à Facebook, hein. Vous savez pas ça? Prenez les comptes si vous partez avec. Oui, je ne suis plus à Facebook. Mes comptes sont officiellement fermés. Donc, soit. Même si vous voulez me bloquer, ça ne peut même plus se bloquer. Ça va être. Vous avez à signaler, fatigué ce jour-là. Vous savez pas ça? Je déprime par rapport à qui? Allez, dégage, chef, allez, dégage. Allez là-bas. Et ça, pour que Facebook m'a laissé ici. Et si tu ne peux plus me bloquer, tu même tu te signes, les yeux toujours là. Et c'est vrai. Vous croyez qu'elle me fait quoi?
Alors, je peux insulter comme je veux. Je fais ce que je veux. Oh. Si vous voulez vous partez avec les comptes, je m'en fous. Je veux me comprendre avec tous mes comptes. Je veux créer un autre compte. Oh. Qu'est-ce que c'est ça? Quelle est qui? Elle est monopole des injures? Quelle est cette énergumène? Elle est qui elle? Elle sort d'où? Cette parvenue? De quel parc? De quel quartier? Elle a vécu au pays? On la connaît où celle-là? Cette sorbelie de merde là? Anneza? Un truc de tout du cul du monde qui sort, je ne sais pas où, ça, de l'école, il avait quoi? Elle a refait les seins, aucun bénéfice. Les ventes, tirer les ventes, aucun bénéfice. Les grosses fesses, aucun bénéfice. Et vous venez parler, les gens qui n'ont pas de bénéfice devant moi? Aucun bénéfice. I am the prayer, I am the star. On va faire ça très dur. Bon, mais ouais, il y a ma star qui est là. Casse la chico, je ne veux pas tout la déranger. Mais pour vous dire que. Pour vous dire une chose, c'est que. Ewaros. Hein? Zazamot, Anéjé, Anéza, Anéza, ça ne fait de l'île à sauver. Depuis qu'elle est partie au Cameroun, elle fait que ce, il faut qu'elle se monte tous les matins quand elle travaille. Tu n'as pas d'amis? C'est maintenant qu'on t'a appris à arroser le gazon. Tu vois, moi je vais aller arroser le gazon le matin parce que tu n'as rien à faire au Cameroun. Tu vas prendre les spaghettis dans les camions et tout, tu viens pas la voix joyeuse. Hein? Vous allez me tuer un jour. Vous me connaissez pas bien quand je me nais, parce que moi, tu sais que moi je ne peux plus. Facebook ne veut plus de moi. Donc moi, ici, mes comptes sont fermés. Je peux insulter jusqu'à ce n'est plus bon. On n'a pas pu me signaler le compte. Ouais, c'est là. Là, ce que j'aime sur les débats. Ouais, les débats me marquent jusqu'à. C'est n'importe qui. Et. De quoi me reste-moi? J'ai fini ici avec eux. Il y a des prêtres. Les gens qui sont sur les mères des gens. Voici ma, voici aussi ma mère ici là. Fais-le, regarde ma mère. Hein? Ma mère, elle a 65 ans. Oui, oui, c'est 65 ans. 66 ans. Oui. Ma mère est née en 1945. Voilà ma mère ici. Eh hey, oui. Une femme boule de sang, Malima. Marie a un homme digne boule de sang. Mais à quoi vous avez employé municipal, vous parlez de qui de sang. Mais à quoi vous avez. Hé, casse la chicotte, on te dit bonsoir, on t'a vu. Ouais. Hé, année. Maman, j'ai le. Ouais, les dagombés. Maman, nous ici, ce n'est pas petit chez la veuve. Pop! Pop! C'est quoi? Les petits primitifs qui ont commencé des réseaux sociaux, mais à quoi comme ça? Hein? Avec ma force de l'expérience. Il m'a dit, là, tu as mis. Moi, je suis avec ma petite troubadou, Ngosa. Moi, je n'ai pas avec Ngosa. Vous venez m'insulter. Un frère de l'être dépasse. Elle dépasse qui a blindé à des arts. Énergise. Réveille bien, quitte là-bas, dis donc. Quand tu ne viens pas parler ici, fort ici. Tu dis que la fin d'année de quoi? Non, il n'y a pas les Mongols qui disent non. Non, non, on a parlé des mamans. Tu entends rêve. Parce que Ngosa s'est permis d'insulter la maman de Komambougou. Et moi, j'étais en train de réprimer Ngosa que, hein? Comment tu peux insulter la maman de Komambougou? Hein? Nous tous sommes. Moi j'ai insulté la maman. Moi est-ce que j'ai insulté la maman? Enfin, nous tous sommes insultés, tous nos mamans, nous tous. Mais la seule personne qui n'a jamais insulté quoi que ce soit, c'est Deko Mamougou. Pourquoi Ngospit insulte la maman de Deko Mamougou? Pourquoi? La femme là la connaît. Ok. Attends. Ah, c'est bon. C'est quoi? C'est bon. Parce que je dois toujours regarder, vous savez que quand moi, j'ai déjà vu mon vent comme ça, parfois j'oublie souvent de fermer mes trucs. Ça vient de la boulot, quoi. Non, c'est. J'avais laissé la mamie de. Un Marc Bobby Kwan. Aïe! Ouais!
Non. Il faut les répondre. Bien pour les mambo. Hey, je suis une clasheuse opère. Une vraie clasheuse. À l'époque. Quand Facebook était encore. Je vous dis d'abord que j'ai d'abord que zéro paix à Facebook. Qui encore? On a déjà signé mon compte ici. De tout cela, c'est bon. Laisse comme ça, mon temps. Allez vous servir. Reine. Oh. Après, on va manger après. Parce que moi, je viens de manger. Est-ce que on a tiré mon collègue, tu vois, ça m'a dit, oh, ah. Ouais, Seigneur Jésus, non. Ouais, Seigneur. Donc, comment fait? Parce que, mais, il faut comprendre aussi qu'il y a un problème. Il faut quand même que quelqu'un doit rester dans une blacata pour insulter les autres blacata. Tout le monde veut faire la paix. Quelle paix? Moi, je ne suis pas moi dans la paix. Annie, attends, ma femme. Il y a beaucoup. On y a un peu. Ouais. Mais oui, si tout le monde fait la paix à Facebook, on va faire comment? De ton côté aussi, tu vas chauffer. Hein? Il y a quelqu'un qui a un yard ouvert. Abusa. Mais nous, on reste où? Jamais. Ah, mon papa. Pac-pac. C'est quoi? Que tout le monde fait les bracadas. Nous, on ne fait pas. J'ai dit que j'ai aucune paix. Zéro paix. Vous n'allez que me tuer. Me taper partout. J'accepte les coups. Ouais. De toute façon, mon corps est déjà habitué avec les coups. Eh, t'es bien, tout le monde. Donc tout le monde dort maintenant, les bœufs vont partir à côté et nous restons sans bœufs. Ouais. Vous mentez. Bonsoir, Décom. Oui, mais de quoi là? De comment t'attends, Ouganda? Ouais, je sais pas quand il va venir, mais bon. Bah, de quoi il peut appeler, mais bon. Mais moi, j'ai bien défendu à moi de défaut, même. On est encore ensemble. C'est n'importe quoi, hein. Moi, j'ai fait la promotion de ta télé-réalité. Mais je veux faire, non? C'est quoi? Je suis obligé de faire maintenant. On doit voter. Mais il faut voter, mais ils ont un nouveau nom. Pardon, je veux te voir. Oui, allô, la veuve. Oui. Allô? Oui. Oui, la veuve, bonsoir. Comment tu vas? Oui. Oh, Fendel. Oui, allô? Allô? Oui, allô, tu m'entends? Oui, je t'entends, oui. Très bien, oui. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ouais. Ah oui, ça fait longtemps quand même aussi, ouais. Ah, d'accord.
Mais c'est gentil. D'accord, merci beaucoup. Ouais, c'est casse. Bah, tu sais, comme je suis en direct là, il y a du monde qui m'écoute et tout. Donc, si tu veux, on s'appelle tout à l'heure après mon direct pour causer. D'accord. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Rembiayi, ok. On fait pause publicité. Maman Guéa. Les Camerounais t'ont abandonné, maman Guéa, la route. Le soleil de décembre. Voilà le soleil de décembre qui est en train de s'éteindre. Et les Camerounais sont en train de précipiter. Ils sont en train de précipiter ta mort. Les voilà sur la toile en train de pleurer, Kobe Bryant. Ouais. Oh là là. Les Camerounais le suivent sur les moutonniers. Les Camerounais sont des stupides personnages. Vous les Camerounais, on a installé la machine à faire les pop-corn dans vos cerveaux. Parce que vos cerveaux sont tma. Le civisme montagnier, c'est la toile. Oh, vous parlez, vous venez, vous voulez faire la morale aux gens. Il n'est jamais juste que la mort de Kobe Bryant était une mort qu'on devait applaudir ou on devait être fier. Non! Quand quelqu'un meurt, c'est toujours une perte. Une perte humaine pour le monde entier. Mais je vous dis qu'en tant que Camerounais, pour moi, et pour tous les Camerounais en principe, Maman Guéa doit être la priorité, la préoccupation de tous les Camerounais. Je dis bien tous les Camerounais. Voilà, parce que toi, le jeune qui me regarde là, même si tu ne kiffes pas Maman Guéa, non, elle a fait danser la personne qui t'a accouché. Que un jeune basketteur comme ça, Kobe Bryant, il part où? Long, sexy, fraîche. Je dis que le gars la meurt comme ça, il go où, non, maman? Et même sa fille, la petite fille, elle meurt, elle part que où? La fille de qui devait die? La fille de qui devait die? Il go là où les gens go quand ils die. Si tu veux know où Kobe Bryant est go, non? Die aussi. Quand tu vas die, tu vas know. Ce qui est juste, c'est qu'il y a deux endroits. Un côté qui est blanc, l'autre est noir, obscur. Quand tu vas die, non? Tu sauras où il était go. Ah, ça me l'écrit, non, mon frère. Il dit le commandant d'une gars sur Kerel Congo, ça. La gala, juste que, mec, Kobe Bryant, le gars était d'abord long. Il a toujours fantasmé sur le gars, si mon frère. Long, costaud, avec les abdos. C'est sûr que même son candidat était long. Hush, maman, mon goût, ton goût, hein? Ton goût, hein? Moi, je suis ici, là. Tu ne fantasmes jamais sur moi. Que mouton est d'abord costaud, élégant, beau. Regardez, mignon, regardez. L'enfant est beau. Tu ne fantasmes jamais sur moi. Moi qui suis à côté, ma chérie. Que tu peux taper un quart de tout, quoi, tu me niais. Tu peux fantasmer sur un diman qui est en Californie. Qui se déplace avec l'hélicoptère. Un diman que tu vas jamais nier alors que tu dailles. Tu me laisses, moi, mouton ici. Regarde comment l'enfant est costaud. Regarde-toi avec le bras. Costaud. Hein? Que oh, il fantasme sur lui. C'est lui que comme il est long, là, son canda est long. Va te faire foutre, ma chérie. Voilà un diman qui est daille à Longkak avec toute sa famille. Oui, hein, non? Une belle femme, beau enfant. Il y avait notre enfant dans le ventre. Le beau-père était dans la voiture. Hein? Voilà un bus qui a écrasé le Yaris, les dailles. On n'a pas vu les photos de Dimana sur vos profils. Un temps de mouvement. Vous avez mis les photos de Kobe Bryant partout. Jusqu'à vous avez tué le buzz de Verushka. On ne parle plus de Verushka. Vous avez gagné, non? Voilà le petit buzz de Verushka qui est parti à The Boys. Elle a chanté une prestation violente, agressive. Ça met toute l'Afrique en transe et même les Français. J'ai vu comment les Camerounais insultaient les Français dans les commentaires. Mon frère dit que yes, le pays ici, non? Ouais. Même si l'Afrique sort de la colonisation, non? Le Cameroun ne sortira jamais. Jamais. Hush! Non, vous pouvez suer les gens. C'est souillant, hein? Hush! Dans vos têtes, c'est les pop-corns qu'il y a dedans. Le petit buzz de Verushka, comme ça, qu'elle devait prendre même une semaine, on devait parler d'elle. Vous avez tué ça avec les photos de Kobe Bryant partout, partout. Faut arrêter vos conneries, là. Faut arrêter ça. Il est die. Vous comprenez, non? Alors, Dieu n'est pas fou. Dieu die, prend chacun die à sa manière. C'est lui qui nous a tous créés. Non, je ne voulais pas dire que... Non, il ne devait pas quand même mourir dans un crash d'hélicoptère. Donc, ce sont les Camerounais qui doivent die dans l'accident ferroviaire des Eka. Vous êtes fous. Donc, c'est le Camerounais qui doit die dans les accidents sur l'axe Lou Yaoundé Douala. C'est le Camerounais qui doit die sur la route pour aller à l'ouest. Les bêtes routes qu'on a dans le pays ici-là. Le Camerounais doit die sur la route des Eka, comme l'autre jeune qui est mort. Vous êtes fous, hein?
Vous êtes malade, donc c'est nous la Daïs, c'est les cancans, oui. Le Cameroun. Et les autres, comme ils sont restés en Californie, ils doivent être sur un bon lit dressé avec les draps blancs. Vous êtes malade. C'est Dieu qui nous crée, nous tous. C'est lui qui choisit comment est-ce que chacun doit go. Si c'est le feu qui doit te brûler, non, ça te brûle. Non, si tu dois te noyer, non, tu te noies. Si c'est le cancer, non, cela seulement t'es né là jusqu'à la gare. Si c'est le sida, non, go, go choper. Même si tu ne niaises pas, non, tu vas prendre ça. Si c'est n'importe quoi, tu vas partir comme c'est, comme on a décidé que tu vas go. Oh, les hommes, ouais, là. Qui devait être à sa place? Moi, c'est devait être à sa place. Non, what mon show, mon frère, même si c'est demain, non. Je prends un gars, ça va être demain. Je go. Mais là, comme je sais que non, il ne devait pas dire, il ne devait pas dire maintenant. Comment il est dire? Mon frère, qui doit dire à sa place? Il faut absolument que les gens daillent. Arrêtez vos conneries là, parce que moi, je suis avec lui. Je suis nerveux. Arrêtez ça. Voilà maman Guéa qui a le piton à côté de ses deux pieds. Vous êtes là et vous dites que si 1 million de Camerounais cotisent 500 francs, ça fait 100 millions. J'espère qu'elle calcule bien. Mais non, j'étais à l'école, donc je ne peux pas faire l'erreur. 1 million de Camerounais cotisent 500 francs pour Mangéa, ça fait 100 millions. Même si elle ne doit pas chop la moitié avant de go, on sait qu'elle traverse ses derniers instants. Mais je vous en prie, toutes les images que vous boufracassez sur la toile de maman Guéa, là, ça n'honore pas. Est-ce que vous avez vu les Américains partager une seule vidéo du corps de Kobe Bryant là où il est brûlé? Non, vous ne verrez pas cela. Non, vous allez voir uniquement ces belles, belles photos parce que c'est cette image que vous allez garder de lui. On ne vous prie pas. Vous avez vu les mauvaises images de Michael Jackson? Jamais de la vie. On vous garde les bonnes images. Parce que c'est ça qui doit rester dans vos têtes. Mais ici, vous avez à partager les images de maman Gaël là où c'est comme si elle était Adam et elle est revenue. Comme si c'était son fantôme, mon frère. Vous pouvez garder ça. Vous ne partez pas à l'hosto pour filmer maman Gaël. Ouais, vous voyez les gens qui partent là-bas, les guides, c'est un bindi, oui. Vous pouvez filmer seulement l'enveloppe qu'on vous tendez. L'enveloppe à maman Guéa, on va voir. Vous partez, vous la filmez dans son lit, vous filmez ses pieds coupés, c'est-à-dire vous exposez la matière, vous voulez seulement que même quand elle meurt, son cadavre ne se tourne pas bien dans le cercueil. Hein? Vous êtes méchants, vous les Camerounais, vous êtes méchants. Hein? Allez avec l'enveloppe. Dans l'enveloppe, tu filmes uniquement l'enveloppe, moi ça ancre dans ses mains. C'est comme ça. Vous partez filmer tout. Vous filmez là, filmez dans les positions bizarres. Elle est là comme un, je ne sais même pas quoi. Pourquoi vous montrez cette image aux gens? Alors que maman Guéa, plein de photos où elle se faisait encore des make-up, où elle avait ses habits d'aluminium qu'elle mettait sur elle et tout ça, les belles photos qui font là. Là, au moins, ça fait en sorte que les Camerounais peuvent rire, malgré le fait qu'elle soit dans une position bizarre. Hein? Non, mais vous énervez. Fichez le camp là-bas avec Kobe Bryant. Non, là où vous êtes là, non, moi, Mouton, elle dit ceci. La fille qui a dit sur Kéré Congo, ça, qu'elle fantasme sur Kobe Bryant là. Mouton, je suis là. Qu'elle fantasme sur moi. Je suis aussi costaud. J'ai un fantasme sur moi. Les fantasmes plus sur un diman qui est en Californie là-bas. D'ailleurs, même il est à Daï. Donc, tu as un fantasme plus sur un cadavre. J'ai un fantasme sur Mouton parce que je suis encore vivant. Hein? Voilà, c'est pour vous dire que aider maman Guéa quand elle est encore vivante. Parce que la bénédiction ne vient pas forcément de notre mère qui nous abonne. C'est moi le seul de fait que maman Guéa te dit que merci mon fils pour l'écolo que tu m'as dit hier. Je te bénis. Ça entre. Et ça ne ressort plus. Donc, pour laisser vos bêtises là, apprenons à faire les choses intelligentes parce que Mouton est un mouton intelligent. Et je reste le seul mouton fédérateur national du Cameroun. Allez les fans, partagez la vidéo, bande de cancres avec vos têtes de popcorn. Bisous. Voilà. C'est ça qu'on appelle vivre ensemble. C'est ça Dieu. Ouais, c'est bien. Vous savez, moi j'aime la joie. Être Camerounais, c'est un métier. Quoi? C'est facile. Qui est facile au Cameroun? Ah merde. Même la chèvre. Même la. Tu as vu qu'on a où ça tue la chèvre pour aller tuer. Ouais, même la chèvre tient une tête. Ouais, c'est vrai. Non, non, non. Ah. Bon, moi, tu comme ça. Non, 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 je ne veux plus moi la soirée pyjama. Ça, je sais plus. Moi, je ne veux plus aller dans une soirée comme ça. Non, mais ça c'est moi, ça c'est mon teint. Pourquoi? Je n'ai pas fait de make-up. Bon, moi tu sais, moi j'aime bien me détendre. Et comme je sais que vous m'aimez bien, j'ai tellement bavardé à la cuisine là-bas que j'ai pas envie de... J'ai tellement bloqué peut-être 30 personnes aujourd'hui que je n'ai pas envie de bavarder. Je pense que pour moi, le message est passé. Je vous ai dit que, sachez que vous ne pouvez plus signaler mes comptes à Facebook. Pourquoi? Parce que maintenant, je n'utilise plus Facebook normal, hein. J'ai utilisé Facebook encore. Oh, Facebook, là, ils ont pitié de moi pour me laisser à Facebook. Oui, c'est vrai. Hein? Oui. Bien sûr. En fait, Facebook a pitié de moi. Donc, vous prenez, vous partagez, je m'en fous. Allez signaler. Je vais toujours dire et je ne regrette pas ce que je parle à Facebook. Vous ne savez pas ça. Hein? Mes comptes sont officiellement fermés.
Donc Facebook, comme j'ai tellement, je résiste à Facebook parce que j'ai des abonnés. Comme j'ai beaucoup d'abonnés, donc ça veut dire que la formation allait un peu. Faites ce que vous voulez, prenez le compte si je ne fasse plus aucune vidéo. J'ai créé un autre compte. J'ai fait mon jam ensemble. Ma mère Drago au Cameroun. Nadine, on va faire soirée pyjama ce soir. Non, je ne le fais pas. Nadine, papa, fais soirée pyjama. En tout cas, pas moi. Pas, prenez quelqu'un d'autre. Tu veux faire ben, non, moi, je ne fais pas. Moi, j'arrête les bêtises. Je n'aime pas où on manque de respect. Je peux même faire mon soirée pyjama ici, mais je ne veux pas le faire ce soir. Non. Pour l'instant, c'était mon dernier coup de gueule ce soir. Donc voilà, comme on dit, tout le monde a une maman et tout le monde aime sa maman. Nous tous, on est les mamans des gens ici, nous tous. De comment Mougou n'a rien à y voir. Mougou, ça reste là-bas et les suite la mère de comment Mougou. Hey! Et puis en bas, c'est toujours vous. Hein? Tu as vu? C'est toujours vous qui sortez encore les anciennes histoires des mamans. Il faut que la veuve joyeuse vienne parler, vous allez dire que la veuve joyeuse a parlé. Hein? Tu es qui? On nous a, Ngosa, on nous a. Un déchet humain? Une malade, une femme qui est malade? Une malade ambulante que tu peux dormir? C'est pour ça que je ne bagarre pas avec toi. Parce que j'ai pitié de toi. Oui? Là où tu vas se manger là-bas au refuge, je peux venir arriver au refuge là-bas, je t'attrape. Oui? Mais, quand il te regarde, quand tu as bagarré avec moi, Ngosa, j'étais seule. S'il y avait seulement deux personnes qui étaient avec moi, est-ce que tu ne parles plus à Facebook? Elle te met ton. Je dis d'abord, tu as dit que la personne qui met le dos de ton sol a gagné. Qui a mis le dos de ton sol? C'est moi. Donc, je suis ta patronne. Maintenant, on me signe. Tu sais qu'on n'a pas de médecine chez nous? Très dangereux. Je suis prête, elle est prête pour toi. J'ai dit que vous deux là. Nkankam et toi. Les rates, rates de l'histoire, des blogueuses, des réseaux sociaux. Vous avez quoi? Hey! Ensemble. Vous avez monétisé vos pages. Maintenant, c'est une vidéo par jour. Vous avez compris qu'il n'y a pas d'argent dedans? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent dedans. Il n'y a pas d'argent dedans. Mais oui. Tu les vois encore faire des vidéos comme au début, là, quand tout le monde fait des vidéos. Ta monétisation. Les autres gagnent l'argent. Les apôtres, tu fais encore combien de vidéos? Apôtres, tu fais encore combien de vidéos par jour? Ma conseillère, où avait ses vidéos par jour? Et maintenant, tout le monde, vous avez remarqué, tout le monde maintenant fait une vidéo par jour. Pour seulement entretenir un peu leur page. Parce qu'ils ont compris qu'il n'y a rien. Et vous croyez que je suis bête? Vous avez bloqué mes comptes à cause de monétisation. Hein? Oui, j'aimerais vous demander de monétiser. Comment savez-vous que moi je suis ma perroquet? Je bavarde matin, midi, mais chaque temps, vidéo, ils ont dit d'aller avoir de l'argent plus que parce que je suis. Oui? Ou alors ça? Mon étude, mais pas je reste comme ça. Vous pouvez prendre. Oui? Parce que moi je suis. Oui? Non grâce à Facebook. Donc prenez mes pages, vous partez avec. Bon, allez-y. Faites-moi partie de Facebook. Ce n'est pas grave. Je crée un autre compte avec un autre nom. Avec un nouveau téléphone. Vous prenez un numéro de téléphone. Ben oui, hein. Un téléphone un peu. J'achète mon téléphone et tout, je crée un autre. Je vais aller au Cameroun à la Cannes, si Dieu le permet. Je filme là-bas avec un nouveau. Et mes abonnés, ceux qui m'aiment, vont me suivre. Oui. C'est comme ça. Oui, c'est bien. Oui. Vous croyez que je suis encore. Apprenez le compte ici. On ne peut pas dire aux gens, elle dépasse qui? Qui dépasse qui ici? La fois je vais là chez eux, je suis avec ma soeur, on est là, on boit le vin, j'ai préparé sa nourriture, dans le calme, il y a la télévision qui est là, la belle vie, il y a l'eau, il y a tout, il y a quoi? On est en famille. C'est la famille et tout, vous êtes là en train de parler que Hanifana, elle a rien. Si elle a quelque chose, si devant vous, elle a quelque chose, mais devant moi, je vous redis que, hein, je vous dis que, dans le livre, je te dis que moi, tu n'es rien. C'est toi la reine mère de la drogue. C'est toi qui prends la drogue. C'est toi qui es la poussière, la pétasse, la sapin.
des réseaux sociaux. Tu n'as rien fait dans ta vie. Tu as eu la stamania. Ça t'a apporté où? Pour aller, on te prend un petit pauvre misérable billet d'avion pour aller vendre. Elle était assise comme une. Elle ressemblait vraiment une maman, une vieille mère américaine. Venez, non? Les spaghettis. Tu crois que moi je vais quitter ici en France? Avec un papier français, comme tu dis que française? Pour aller faire ça? Hein? Pour aller arroser les fleurs, pour aller arroser la pelouse et je ne sais pas quoi. Pour faire des ménages le matin parce que tu n'as personne qui t'invite chez lui. Tu n'as personne, qui n'a aucune autorité qui va te recevoir dans un ministère, rien du tout. Et tu veux me parler, moi? T'es rien. Et que tu n'es rien devant moi, tu ne sais jamais rien devant moi. Et je t'emmerde. C'est de Ngossa. Ngossa, toi, alors. Hein? Ouais, ouais. Et je ne sais même pas quoi faire avec toi. Continue à insulter les mamans des gens. Regarde-toi. Voilà Thierry qui est parti. Thierry Anke. Elle est partie. Tu vois qu'un bout ne peut te prendre. Les bouts sont. Tu vois qu'un bout, tu peux venir chez nous. Une femme qui est malade, qui n'accouche pas, qui n'a rien. Qui n'a rien. Même l'argent, tu n'as pas. Et tu vois que tu vas venir vivre chez les boulots. Moi, je suis la baisse de Thierry. Tu entends. Regarde-toi. Au moins, tu avais encore ta nageur là. On a appelé même comment? Un dicalon. Qui volait un peu pour toi, même pour te donner même les chaussures et les habits. Regarde-toi, tu es devenu comme Bombo. Mbombo et Yindi. Tu es devenu Mambombo des réseaux sociaux. Amen. Regarde-toi. Mais tu je dis que. Je ne sais pas quoi dire. Quand on te regarde vraiment, on parle à Cannes, non? Parce qu'on a dit qu'on parle à Cannes. Moi, j'avais appris mon billet depuis. Hein. Allons-y. Il n'y a qu'à Cannes. Qu'il n'y a qu'à Cannes. Hein? Moi, j'ai fait le perroquet. Ma copine a dit, ma copine a dit. Hein? Ma copine a dit, depuis que ta copine au Cameroun, elle ne t'a même pas, je n'ai pas entendu qu'elle t'a même fait coucou. Hein. Regarde-toi. Tu es arrivé, la dernière fois, tu es arrivé en retard, j'ai déjà fini avec eux. Depuis. Et que je suis là dans vos choses-là. Vous allez me détester propre et bien. Je ne suis pas celle-là que, oh, je ne parle pas avec cette personne, que derrière, dans WhatsApp, on parle. Vous n'allez que parler. Continuez à parler. Et ça va, tout ce qui est tué souterrain va finir par nous retrouver ici à Facebook. Tu entends? Eh oui. Les machins, trucs comme ça. Les maboyas. Les bilolo. Je te dis. Voilà les mal ouest. Hey! Maman, le Camille, c'est Kaou, c'est qui la femme de la femme là? C'est Emmanuel Keta. Ouais. Et vous avez déjà vu une Ivoirienne mettre la photo d'une Camerounaise dans sa page? Mais les Camerounaises, maman, les Camerounaises, vous êtes les suivismes. Vous mettez les photos des Ivoiriennes dans vos pages. Vous voyez, moi je suis tellement orgueilleuse. Je ne peux pas mettre la photo de quelqu'un dans ma page. Ah, pas de question, hein? Il faut être fier. Hein? Vous allez supplier l'amitié chez les qui? Eh ben Zali. Putain de bordel. Regardez-vous. Elles nous ont dépassés. En tout cas, moi, je suis blacata, on ne me connaît même pas. Je suis non événementiel. Vous. C'est les Camerounais, vous courez derrière les Ivoiriens. Si vous ne vous insultez pas les Ivoiriens, si vous n'avez pas les problèmes des Ivoiriens, vous n'avez pas de vie, vous n'avez pas de personnalité. Vous croyez que moi, la vous j'ai le temps de parler des Emmanuel Keta? Je peux peut-être parler, même l'autre jour, je vais pouvoir parler, et après, j'ai encore que non, elle ment. Parce que moi, je ne vois pas ces femmes-là devant moi. Parce que moi, j'ai un problème que moi, je ne vois personne devant moi. Hein. Oui, moi, je suis un but de ma petite personnalité. Hein. Oui. Même si c'est ce que tu peux me donner 5 euros. Oh, Agnès. Mais je suis fier. Je te dis, il faut être fier. Les gens voyagent dans les trucs et puis on paye le billet d'avion à une pauvre salope pour aller vendre les spaghettis au Cameroun dans un conteneur en plein soleil.
Il faut alors voir la perruque là sur la tête et juste les étincer. Eh ben dis donc. Moi, voilà mes cheveux. Oh, tu vois mes cheveux là? Oui. Mieux vaut raser encore les cheveux, non, tu vois, donc, tu fais un peu là. Tu fais les petits coupes. Que de porter la carte de perruque là que j'ai vu là. C'est quelle perruque ça? Oui. Tu crois qu'un petit jeu peut te draguer? Tu ressembles à une grand-mère. Tu es une femme parmi les femmes. Tu n'es pas différente de toutes celles qui sont là. Vous êtes habillés déjà avec la même tenue, avec les cheveux pareils et tout. Franchement, vous ne faites pas la différence. Oui. J'ai dit que moi, j'aime les problèmes d'ayam de bête. Mais oui, je vous ai dit ça. Moi, je suis pas moi là-dedans. Moi, j'aime les problèmes. Vous partez, vous, la toile est calme. Moi, j'ai les problèmes avec tout le monde sur la toile. Je fais les problèmes. Je ne suis pas d'accord. On ne doit pas insulter les mamans des gens. Oui, j'ai insulté les mamans des gens sur les réseaux sociaux. Ça m'a fait mal. Parce que moi aussi, on a insulté ma maman. Oui. Et je ne veux pas que ça se reproduit. Insultons-nous. Dénigrons-nous. On est clair là? Oui. Voici ma mère ici. La femme ici. On a insulté. Oh, elle pisse sur elle, elle va boire dans les bars, elle pisse, elle chie sur elle, elle baise avec les clients, les... Si vous voyez, c'était tellement dénigrant. Moi, ça, vous croyez que je n'ai pas eu mal, moi? Pourquoi? Quand ça vous dépasse, c'est les mamans qui sortent. Et quand j'ai appris qu'on a insulté ma maman, moi aussi j'ai insulté les mamans des gens. C'est ma maman, c'est maman. Comment? Si, je dis que c'est maman, c'est ma mère, c'est maman. Quand je pars au Cameroun comme ça, je l'emballe. Est-ce que c'est ma mère? C'est elle qui m'a mis au monde. C'est quelque chose qui est important pour moi. Oui. Donc il faut savoir qu'il y a eu un problème. C'est que nous tous là, on est insultés. Tout le monde est insulté à moi, les gens. Parce que si vous voulez aller à YouTube, je peux vous mettre les vidéos là que vous allez écouter. Comment Gringa insulte la maman de Flore. Vraiment, c'est. Vous savez, c'est un peu époque. Si vous voyez comment je vous mets les vidéos de tout le monde qui a insulté la maman de tout le monde. Mais vous serez étonné que la veuve joyeuse, j'ai déjà insulté aussi un peu, mais pas, je ne suis pas allé loin. Les vidéos sont sur YouTube. Nguenga, allô, hein, maman. Quand elle insultait même le père de Mini Minon qui est mort, elle est partie déterrer les cadavres, et vous dites que c'est moi, que je suis, moi si. Ouais. Quand vous dites qu'allez-y, vous aimez vos gens. Oui, c'est ma maman, c'est ma maman, c'est maman. Moi, c'était ma mère, j'étais à l'époque, j'étais fragile. Et c'était les injures dénigrants. Moi, j'ai pas eu mal. Donc, ça s'est passé très mal avec nous au début. Mais oui. Quand vous parlez, je ne vois pas, je ne parle pas avec l'an 2000, pourquoi? L'an 2000, est-ce que cette petite pute de Ngossa insulte ma mère? Ma mère qui a fait grandir sa femme. Ma mère qui a élevé sa femme. L'an 2000 laisse que Ngossa insulte ma mère. Et vous croyez que moi je peux l'aimer, moi? Facebook était dur avant, hein? Facebook était très dur. Donc, moi, il y a certains gens qui peuvent dire que oui. On peut faire semblant même d'être amis, oui. Qui dit que oui. Bon, on oublie. Oui, on peut être ami, mais je pense pas que je peux oublier ce qui s'est passé à Facebook. Donc, trop de gens qui disent ami là. Hein. Qui n'a pas insulté la mère de qui ici? Il y a certains amis qui sont allés trop loin. Et de loin ici à Facebook. Mais quand on insulte la mère, ça devient un drame. Ah. Donc, mieux vaut comment tu sois que parfois. Mieux vaut parfois laisser même certains dossiers. Je ne vous mens pas. Je n'ai pas insulté qui ici. Je n'ai pas envie de citer les noms. On s'est fait du mal, nous tous. Mais ça fait mal. Ça fait très mal. On a même déterré même les cadavres, les mamans des gens qui sont à mort depuis. On l'a déterré ici à Facebook. Hein? Et aujourd'hui, les gens. Hein? Ouvre-nous notre. Mais on nous voit encore notre verre. Attends, je choisis celui-ci. Coucou. Ouvre-nous ça. S'il te plaît, ma chérie.
Écoute d'abord, hein, non. Non, moi je ne peux pas boire parce que j'ai. Ah, tu ne veux pas glacer. Ouais, non, je ne peux pas boire glacé. Mais si tu. Ouais, il y a glacé. Amenez un comme. Non, 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 juste pour boire comme ça. Parce que. Comme un bon dimanche. Bah oui, là c'est bien fait parce que tu sais que moi j'ai le. Si je bois, tu vas qu'on vienne arriver, on va commencer à couler. Mais oui, il y a eu beaucoup de choses, hein. Donc, il faut que ça continue là maintenant avec Ngossa. Ngossa, méfie-toi, hein. Méfie-toi. Je vais pas qu'on tape mon cas, il va taper ma main au sol. Je crois que le gros intestin que tu as là va se déchirer une fois, tu dailles. Je dis d'abord. Oui. Une personne qui chie sur elle, elle pisse sur elle, elle parle à qui? Tu pas souvent faire des choses comme ça, hein? Une mère qui couche avec les prêtres, hein? Non, mais bon, c'est la fin d'année bientôt. Moi, je. Hey. Non, mais. Mais écoute, si je parle, c'est parce que c'est un problème que. Bon, il y a eu des jus entre. De comment. Avec. Quand tu dis que celle-là. Ngossa, quand tu dis que celle-là. La chose-là. Tu peux m'insister quelque chose, toi, si. Tu te bases sur quoi pour m'insister quelque chose? Vraiment, hein. Il n'y a que des morts vivants comme toi. Dame. Il y a le pogno. Mais il y a le pogno. C'est à moi. Ça, c'est à moi. J'ai gardé ça que j'allais manger. Mais va te servir. Non, il n'y a pas encore faim. On va manger tout à l'heure. Elle est comme ça. Je suis une dominatrice. Ça, c'est ce que je vois. Tu vas aller faire, moi je n'ai pas envie de faire le tout là ce soir. Ah mais il y a encore le pain, hein. Non, laisse le bout là. Pour moi. Il y a quoi? Non, 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 hein. Il y en a de cas. Moi, pas d'amour, j'étais dans la chambre là-bas. Le goût de ça. Le goût du Nganya. Ah, le Nganya est là. Non mais attends, on avait oublié l'histoire des parents, des mamans à Facebook, non? Est-ce que, voilà, pour une fois, hein, casse. Pour une fois qu'on ne dit pas que c'est la vraie joueuse qui a commencé les problèmes des parents des gens. Qui commence les problèmes de tous ces Ngossa, hein? Ngossa, de comment Ngossa fait quoi? Pourquoi tu insultes sa mère? Hein? C'est quand même marrant. Mais c'est un peu marrant parce que moi je m'attendais même pas à ça. Tu peux insulter la main de comment sa mère sur une prostituée. Tu insultes la main de comment. Elle t'a fait quoi? Le problème c'est que insultez vous-même comme vous voulez. Mais oui! Les parents vont bien demander, les parents sont pas tués. Ouais. Insultez même vous-même si vous décidez, même si vous vous battez même. Maman! Mais insulter les parents c'est. Mais oui! Ne m'en sache pas, sauf que quand on est sur des parents, ça te touche, non? Moi, le jour que tu me insultes ma mère, je te cherche, je te tape. Vous avez la force. Moi, je bagarre que vous, parce que moi, j'ai le temps. Si tu veux, tu me tapes, ça fait quoi? Insultons-moi. Moi, je me tape tout le temps. Franchement, insultez-vous comme vous voulez, mais. Et pareil, parce que moi, je ne crois pas ce qui s'est passé là, tu vois. Parce que les parents, tous les parents là, sont nos parents, on ne peut pas insulter les parents. Mais oui, parce que je ne crois pas, c'est gratuit, quoi. Bon, c'est vrai que vous avez fait ça avant, mais je pense quand même que vous devez arrêter. Mais on a fait ça, on doit arrêter, mais là maintenant, s'il faut que ça continue, c'est pas tu insultes mon père, je suis de ta part de père. Si tu insultes ma mère, je finis avec ta mère. Quand même, t'as rien. Parce que insulter quand même les parents, les mais parents. Mais oui, ça fait mal, hein. Les parents sont tous nos parents, mais aller mélanger les parents. Mais oui, il faut demander à Ngossa, plutôt que. Qu'est-ce qui s'est passé avec les gants? Puisque moi, comme la semaine était un peu mouvementée, j'avais un peu de choses à faire, tu vois, un peu. Et puis, quand j'allais souvent. Parfois, je trouve que des commandes en direct ou bien déjà toi en direct depuis longtemps. Donc, du coup, moi, je n'ai pas fait attention.
Vraiment, moi, je insulte les parents, c'est pas une... Mais oui, elle va dire quoi? Les trucs comme ça, hein? Insulter les parents, insulter les enfants, déjà, c'est pas bien. Mais oui, maman. Insultez-vous, même déchirez-vous comme. Mais oui, Namango, Namango a déjà fini. Avec les hommes. Insultez-vous. Depuis que Namango a un mois. Même insulter les enfants, les. Quel est-ce que t'as d'accord qui n'est pas insulté Namango? Moi, je suis pas d'accord avec les gens qui insultent les parents. Voilà. Je suis même pas d'accord. Soyons des amis, des grandes personnes. Mais ça ne veut pas dire qu'on est vraiment amis. Parce que quand je pense, quand il y a les pics, je pense. Je reste tranquille, je ris avec toi, mais mon cœur n'est pas avec toi. Je vous dis d'abord. Mais le problème, c'est que si quelqu'un insulte ton père et ta mère aussi. Tu le prends aussi? Bien sûr. Mais quand tu le prends, ça devient déjà notre problème parce que. Donc, c'est toi ce que tu dois pour. Quand on a commencé à insulter ma mère ici, je ne sais pas comment ça. Celle-là, c'est qui? Oh, sa maman est quittée à sa maman pour venir faire la prostitution. Franchement, ce n'est pas. Ce n'est pas vraiment. Sa mère est quittée à sa maman pour venir faire la prostitution à. Machin, fait, insultez-vous, hein. Insultez-vous comme vous voulez. Mais oui. Comment ma mère, c'est une bordel, machin. Les parents sont là, ils sont même pas sur Facebook déjà à la base. Les enfants ne sont pas sur Facebook. Mais si c'est pour vous insulter, mélanger les parents, mélanger, c'est pas bien. Mais oui, voilà le problème, c'est ça. C'est pas bien. Mais oui. Honnêtement, c'est pas bien. Insultez-vous, hein. Mais épargnez vos parents dedans. Épargnez vos enfants aussi. Parce que les enfants n'ont rien demandé. Ce n'est pas les enfants qui vous ont dit de venir sur Facebook. Hein. Après, les pauvres enfants sont là, ils encaissent et tout. Les mamans, ils sont là, ils encaissent. C'est pas bon. C'est pas bon. Honnêtement, c'est pas bon. Moi, j'aime pas les gens qui insultent les parents de toute façon. Je croyais que Mafo vous a donné l'autorisation de quoi? Qui est Mafo? Niki Mouk, avec toute sa race de porc de merde. Hé hey! Quoi? Comment Mafo c'est qui? Qui est même Mafo? La seule Mafo qu'on a, c'est Demanou, hein? Mafo c'est qui? Il y a une Mafo à Facebook. Tchèi! Le porc, oui. Moi, nye, que les trois ans, on comme Mabou a sujet. Moi, j'ai un sujet. Ma j'ai un sujet. Yon a la main. Suzy, José et Laka. Vous voyez comment vous êtes? Quand c'était ma chérie là, les paves du Cameroun, elle m'insulte souvent. Vous êtes au point qu'elle me laisse. Donc je la laisse parce que j'ai pitié d'elle. C'est mon. Prenez le compte si vous partez avec un pack. Je m'en fous. Mais voilà, je vais me chercher, on me trouve dans notre compte. Qu'est-ce que c'est ça? Vous voyez, ça se passe comme ça là? Une sale chose comme ça, une mythomane, une rien-ton. Que ne connaissent pas comment coûte le mètre carré au Cameroun, elle vient montrer que maman, machin, fait ceci. Tu vas tout monter, même ton ami, tu vas monter bientôt. Tu n'es rien, tu ne vaux rien. Devant moi. Et je vais te le prouver que tu n'es rien. Tu n'as jamais rien fait dans ta vie. Et si tu veux, il faut que tout le monde t'aime. Parce que tu es quelqu'un. Tu n'es rien. En tout cas, moi, avec moi, c'est Balata. Parce que Ngossaye a monté depuis. Toi alors, je ne sais même pas là où, dans quelle planète tu vis. Regarde-toi. Il faut que tu mettes l'immeuble. On a quelque quoi que quoi. En haut là. Tu vas te justifier devant moi. C'est pas que je t'ai eu. Je t'ai battu. Tu vas te justifier. Oh, l'immeuble. Tu justifies tout pour monter. Parce que tu n'es rien. Tu es pauvre. Tu n'es rien. Tes fesses n'ont pas produit les bénéfices. Oh. Ah, mais, ma bénéfice. Aucun bénéfice. Battery medium. Hey! Connected to Galaxy IQ Core. Ton nouveau morceau. Affaire à suivre. Je ne me connais pas très bien. Je traitais où? Parce que vous êtes tués comme cela. Vous êtes incroyable. Tu peux m'insulter, toi? La dernière fois, je voulais vous te répondre. On a fermé mes comptes. Le tout, c'est prenez le compte si vous partez avec. Ma oui, autre bénéfice. Maman, la fois, j'ai fait mes seins. Maman, j'ai fait mon ventre, j'ai fait mes fesses. Ah, tiens, non. Les bénéfices de ça. Toi, c'est le bénéfice de sauter les métros. Allez vendre les petites choses dans les containers de tes copines. Puis, je dis que c'est pour toi. Aucun bénéfice. Dis donc. Affaire à suivre. Je ne me connais pas très bien.
a dit chouyou pépé. Le tout, tu vas dire que ya. Je te dois quoi? Tu me veux quoi? Tu vas combattre ce que je te veux, ce que je te dois. Et là, nous aussi, là. Jassi, Jassi, déplace Barcelone. Jassi, manier de mettre dedans. Surtout pas derrière. En depuis moi, n'y a pas gagné Jassi. On dit non. Double clignotant. Bipon, bipon, bipon. A nos corbillards, son monde, y'a qu'un kiné. Me tue, mimi. Arrivé à Barcelone. Roma, non, moi, n'y a. Direction. Sous quartier, il me permet ma caméra de noir à voir. Habitant, il me dit, en voir, un minga, me parle de toi, mingo. En me cadre, il me dit, toi, mingo, baby, baby, baby. Arrivé à la maison, ma carmine, va louer un petit studio en calabote. 3 mètres sur 2, non crépi, non cimenté, non électrifié. Et yo, on va y aller, on va y aller. Pourquoi y aller en obscurité comme ça, Madame, mademoiselle, même les ventes lumières, moi je n'ai même rien. Mais non, mais non, et tout le temps, à son voyage, tout le temps, et tout le temps, il était venu à Poutila. Poutil, nous gagnons, moi, nous gagnons, 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 Votre sale pétasse de fleur de lys de la con, la pétasse, la sapac,
la rienton là, l'épave, votre épave de chienne là. Il y a un problème qui se passe avec elle, c'est que, écoute-moi très bien, elle a une façon d'indexer les gens. Moi souvent je rigole, vous prenez que je l'ai insulté. Comme elle aussi, comme vous dites, elle rigole avec moi. Mais il y a des moments que je rigole avec elle. Mais quand elle se permet, je dis que chaque fois qu'elle peut m'insulter, je dis que moi je la déteste. Je dis que moi je vous dis que moi je la hais. Parce que j'ai découvert beaucoup de choses sur elle, qu'elle n'est rien. Et moi je vous ai dit, elle ne me vaut pas. Elle vous vaut vous. Parce que vous êtes les petits rientons. Si sur le lit devait être quelqu'un, elle devait être quelqu'un de puits. Voilà les Emmanuel West, les Emmanuel Keta, les Aya Robert, les Apoutu qui sont venus hier. Elle est où? Elle est où? Tu vois que moi, je vais quitter au Cameroun pour aller pour les spaghettis. Elle n'a rien au pays. Tout ce qu'elle m'a, c'est un leurre. Parce que la honte pour lui tuer. Et je te dis, je te déteste. Et de deux, je vais te dire une chose. Ce n'est pas un violence. Tu n'as rien au pays. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as, ton ventre est muet. Tu entends, non? Tu n'as rien au pays. Tu es pauvre. Et les papiers que tu as là, montre-nous les photos de ton mariage à Facebook. Les parfois trafiqués à la mairie de Lille. Tu veux qu'on sorte ça? Hein? Montre-nous! Je suis française, française. Tu fais quoi au Cameroun étant française? Oui? Tu es française? Oui, on peut te dénoncer quand tu dis que tu as les immeubles, tu as ça. Tu as payé ça avec l'argent. Tu as travaillé ici? Tu as travaillé ici, tu as quel salaire? Ton mari est où? Tu vis de quoi? Tu as quoi? T'es rien, tu es pauvre. Tu es qu'une sale prostituée à deux balles. Regarde-toi. Les seins, tu as refait. Les ventres, tu as refait. Les fesses, tu as refait. Sans aucun bénéfice. Et je vous dis que je suis prête. Moi, j'aime les problèmes. Je dis que toi, je ne sais pas. Moi, je te déteste. Je dis que toi et moi, c'est rentable. Je te déteste à un niveau que tu ne peux pas savoir. Tu me donnes la nausée quand je te vois. Parce que tu n'es rien. Useless girl. Dirty woman. Rien. Tu ne vaux rien. Tu entends, non? Ce que toi, on peut te faire, mac, ça ne va rien changer. Regarde-toi, tu veux quoi? Tu veux que je vais prendre vos laisser pour aller au Cameroun là? Va les spaghetti, Bayam Salam. Une Bayam Salam me parle? Tu veux que celle-là, son mari, moi j'ai eu un mari, il est mort, oui. T'as pas de mari où? Il y a un français qui s'appelle Kouali, hein? Ton mari s'appelle comment? N'oublie pas qu'on était au tribunal. Toi et moi, on était au tribunal, hein? Au tribunal! Ça s'est passé comment au tribunal? Maman, là, on t'a été tué. On t'a posé quelques questions là-bas. Je n'ai encore rien parlé. Et tu parles de quoi? Reviens. Regarde-toi. Je te dis que moi, il va te passer sauf et sauf. Je dis que je n'ai plus peur de personne. Prenez mes comptes ici. Prenez tous mes comptes Facebook. Vous battez avec. Je vais ouvrir les autres. Oui. J'ai dit 2022. C'est mon année. Regardez-vous. Mais il faut que voilà la reine galloise, ta pauvre sœur barbecue qui est au Cameroun, qui fait tout pour les enfants différents. Va les voir à Douala, va même, tu ne peux pas les voir. Tout ce que tu te plais, c'est que tu es contente avec ta sale putain de gueule. Tu es contente d'aller dire que oui, on a arrêté Nathalie Babalé, mon calamborina, parce que tu es pauvre fille, tu es dépourvue de tout sens. Tu es pauvre, tu es une misérable personnage. Et tu resteras là, avec tes gens que tu as endoctrinés, qui ont honte de toi. Pas même tes pauvres abeilles ont honte de toi. Je suis ayant de prêtre, je veux des... Les abeilles et moi, les flomaniens et tout, vous devez trouver votre personne. Je veux vous, vous et moi, c'est la guerre que vous du Warius. Regardez-vous. On va voir les malouès qui montent dans les avions, matin, midi, soir. Vous êtes là. Vous prenez que les avions, quand pour aller faire les calabrina, vous prenez les avions pour aller vendre les spaghettis au pays. Pour aller arroser les. Ouais! Et ça me parle de moi. Mais je vous emmerde, je vous nique la race. Je m'en fous. Facebook prend le compte si je m'en fous. Je crois que si vous n'avez Facebook. Je suis né avec Facebook. Si Facebook, me retire, ça fait quoi? Je m'en fous. Je suis à demain niveau que, hein? Hein? Que quoi? Tu dis quoi? Mars, en tant que Benguis, tu étais allé dormir dans un lit plus que dans
ton frère Chikachi. Mais, Myriane Tepe, mais c'est chez... Mais j'étais allée dormir chez mon lit. Oui, mais quand aussi, elle n'est pas allée dormir chez les gens là-bas. Hein. Mais oui, j'ai dormi là-bas, parce que c'était ma soeur. Au début, j'ai dormi dans son propre lit. C'est après qu'il y avait... On est sortis un soir. Et puis, je ne voulais pas dormir avec moi. Je suis venu dormir dans le lit de Kati FMI. C'est le lit là-bas, là où j'ai dormi chez Kati FMI. Où est le problème? Mouf, dégage! Sale chienne! Va pleurer le pète bien chez quelqu'un ailleurs. Imbécile! Elle ne dort jamais chez les gens. Elle ne dort jamais chez les gens. J'ai ma maison, deux lits, deux chambres, une chambre normale et une petite chambre de bonne et tout. Et c'est un moment parler à moi. Je vous ai dit que hein, je veux que vous allez me détester le tout, c'est que roi. Quand Cam ne te laisse pas, parce que c'est ta mère, parce que tu es une menteuse. Tu n'es rien, tu ne vaux rien. Et je sais que je veux te faire ça chaque temps. Tu as assez duré ici à Facebook. Va te reposer un peu. Va en pas à Cham. Va voir les crânes de tes grands-parents à Tchang. On est fatigué de toi. Tu attends, non? Va à Tchang. Et prends ta main, tu la mets dans la maison que tu as montée, là où tu es en train d'arroser le sol là. Va amener. La maman, il fait froid en France. Ta maman fait quoi ici? Hein? Amène-la au Cameroun. Elle reste là-bas. Vu que depuis qu'elle est là, on ne sait même pas, ne parle jamais. Elle est toujours sur. C'est quoi? C'est devenu un dessin animé. Hein? Tu échanges quoi avec ta mère? Rien? Mais dis-la, peut-être que tu la ramènes. Peut-être que tu la ramènes au Cameroun. Peut-être que tu la ramènes au Cameroun. Ça dépend de quelles conditions elle est entrée dans cette France. Tu la ramènes peut-être au Cameroun. Peut-être qu'elle va retrouver un peu ses trucs, ses copines et tout et tout et tout. Elle fait quoi ici? Tu vois, il n'y a que toi qu'on doit voir. Tout c'est toi. Il n'y a que toi qu'on doit voir. Toi. Ah oui, mais sache que. Do love, tu me dis que. Ne parle pas. Ne? Je ne parle pas d'un papa, quoi. Je ne parle de. Je parle de quelqu'un. Tu attends, non. Do love, n'est-ce pas, tu aimes quelqu'un? Pourquoi tu viens parler ici? Je parle de quelqu'un, ta patronne. Parce que même ta photo, c'est ta patronne. Je parle d'elle parce qu'elle n'est rien. C'est un leurre. On lui a tout donné. Comme ça là, elle a cru que ça allait rester. Maintenant, il faut qu'elle prenne le vol pour aller voir les spaghettis au Cameroun. Bayam Slam me parle. Les Bayam Slam me parle. Tu vas montrer tout. Mais Waros, I am very. Je suis désolé, je suis fatigué, tout ça. Je ne suis pas désolé de quoi que ce soit. Je suis fatigué. Et mes comptes vont. Hein? Tu fais un litchi pour qui? Va faire un litchi pour ta mère. Va faire un litchi pour quelqu'un. Tu attends, non, tu ne parles pas de l'affaire Babalé ici. Ici, c'est la maison d'Nathalie Babalé. Tu ne parles pas de l'ici. Vous êtes trop riche et vous saoulez. Vous êtes trop riche et vous tirez les valises. Aïe! Mais vous êtes tellement friment. Une personne qui a les immeubles au pays tire encore les valises ici en France. Avant le froid, si. On la chasse ici, on a vu par payer le loyer ici. On la déplace. Vraiment. Fais ça, je qu'un. Je fais partie des gens qui ont dit qu'un. Ok. Tu vas faire tout que je te vois. Je veux que tu te regardes comme ça. Mais je veux que tu te méprises. Méprises que roi. T'attends, non. Je ne fais pas partie de la catégorie des gens qui vont courir derrière toi. Parce que je ne veux pas courir derrière une femme qui est comme moi. Parce que tu ne vaux rien, tu n'es rien. Tu es une sapac. Pétasse. Tu ne vaux rien. Toi et moi, c'est aucune pitié. Suisse mes Waros, bonne nuit. Je n'enlève pas ma vidéo si ça va rester là. Si Facebook veut, il m'enlève à Facebook, ce n'est pas grave, je suis fatigué de leurs menaces. Bonne nuit.